Bonjour, je suis Sophie. J'ai 25 ans, je suis employée d'une grande entreprise. Je suis célibataire. Sans enfant, sans amant. Oui, je suis célibataire. Sophie, allez à la réunion! Allô, Sophie, ma chérie. Allô, maman? Bien justement, je veux t'appeler. Oh, je vais rentrer pour te voir. T'as le temps, et papa? Est-il occupé ce soir? Oh, je suis contente de te voir, mais c'est seulement pour nous voir? Pour vous, ça suffit, maman! Tu penses que je vais rentrer avec Nano? Oui, oui, oui! T'es encore seule? Oh, ma chérie, tu n'as pas encore un petit ami! Tu as 25 ans, tu vas vieillir vite! je sais, mais maman, j'ai trop de travail et je n'ai pas le temps de trouver un petit ami. C'est seulement ton excuse. Ce samedi soir, tu as le temps? Oui, à bon? Ah, il y a un rendez-vous pour toi. Quoi? Quel rendez-vous? Un rendez-vous avec un très bel homme. Il s'appelle Paul. Tu pourrais l'adorer. Avec un homme? C'est pour toi, ma chérie. Tu pourrais dîner avec lui, bavarder avec lui, et peut-être tu pourrais tomber amoureux de lui. Maman, je n'ai pas besoin de ça. Je trouve que je suis contente d'être seule. Je suis plus libre. Mais si tu es malade, ma chérie, il n'y a personne qui peut te soigner. Je pourrais m'inquiéter de toi. Bon, j'y vais. Très bien, ma chérie. Ce samedi soir à 16h au restaurant de rêve. Oh, n'oubliez pas de poser une question. Quelle question? Sa station Mont, ça fait combien? Hein? Par cette question, tu saurais si cet homme a une voiture, s'il a un appartement et combien son appartement coûte. Dieu, je sais. À ce soir, ma chérie. Ok, à ce soir, maman. Vous êtes Paul? Oui, vous êtes Sophie. Vous êtes si belle. Vous êtes Paul aussi. Voilà le menu, mademoiselle. Qu'est-ce que vous voudrez manger? Oh, Dieu, je ne veux rien manger. Je veux seulement rentrer chez moi et regarder la télé. Je ne connais pas ce restaurant. Vous choisissez. Pas de problème. Mademoiselle, j'ai entendu dire que vous êtes employée d'une grande entreprise et vous êtes trop occupée. Oui. Ah, moi, j'ai une entreprise. Je ne dois pas travailler tous les jours. J'ai beaucoup de temps pour vous accompagner. Quoi? On n'est pas encore ensemble. Qu'est-ce que je dois dire? Très bien. Vous aimez les enfants? Comme ci, comme ça. J'aime les enfants. Je veux avoir un fils et une fille. Combien d'enfants vous voulez avoir? Ça ne me regarde pas. Un fils et une fille. Très bien. Oui, je veux aussi avoir un chien, mon ami. Il a un chien très drôle. Oh, très drôle. Drôle? Je sais rien, je dois rire ou... un chien. Oh, très bien, très bien. Pardon, madame, monsieur, votre plat. Merci. Merci de me sauver. C'est fini pour cette conservation, je note. Oh, merci. Mademoiselle, ces plats, ça vous plaît? Oui. Mademoiselle, qu'est-ce que vous voudriez faire ensuite? Allez au cinéma. Non, je veux rentrer chez moi. Oh, pardon, j'ai beaucoup de travail pour terminer. Oh, c'est dommage. C'est pas grave,
À la prochaine fois. Ah non, pas de prochaine fois. Sophie, ma pauvre amie, malgré qu'elle est célibataire ou non, j'espère qu'elle sera toujours heureuse. Mais le rendez-vous arrangé peut aussi donner le bon résultat. Allô, maman? Oui, je suis encore célibataire.